mais qui avons-nous là? Nous avons Chloé, évidemment, la voyageuse désormais qui revient en pèlerinage tous les étés, voilà, si c'est vrai, dans son lieu cher à son cœur, chez son messie Mathieu Daguzan-Garros, au Haras des Granges, dans le Gers, et qui nous présente comme tous les ans son produit pour le Grand Show Anglo. Qui avons-nous là, Mathieu? Naxos, bar Battle of Marengo et Terra. La fameuse matrone. Matrone Terra, ma jument fétiche, un petit peu, on va dire. Non, parce que bon, je suis assez verni. Effectivement, alors Terra, super jument que tu avais récupéré comme ça il y a un foal shearing avec une belle souche, là, voilà. Et tu es revenu dans le monde de l'anglo qui t'était cher d'origine de ta jeunesse. C'est un flashback, pas de ma jeunesse, enfin, oui, de ma prime jeunesse, mais surtout de mon père. Donc c'est un flash, un retour aux sources un petit peu. Et alors depuis, tu participes au Grand Show Anglo, dont on rappelle qu'il aura lieu cette année le 7 septembre sur l'hippodrome, bien sûr, de La Teste. Ce sera d'ailleurs la 10e édition de ce Grand Show Anglo à La Teste. Et tu y participes désormais tous les ans avec Tous les ans, tous les ans depuis qu'il a commencé, je crois. J'y suis là, je crois que tous les ans. Toujours avec les produits de Terra. Terra. Et alors, t'as fait quoi pour l'instant dans ce Grand Show? Plusieurs places, un champion suprême, et des secondes, des troisièmes, il n'y en a qu'une qui était non placée. D'accord. Mais... Et alors, il y a Fira, Terracia... Fira, Terracia qui avait gagné le Grand Cible des 4 ans, Fira qui était champion plat obstacle, et Atlantide qui était une bonne jument aussi, très bonne jument qui était placée d'une bonne course, de Manito Park. Et Mesaria encore cette année, qui est une bonne jument plat, gagnant plat et un stipe déjà. Parle-nous un peu de ce produit imposant, hein, des noms de Battle of Marengo. Tiens, on va le présenter un peu. Je reste toujours dans ma... Là, sacré morceau ce Naxos, dis-donc, 2 ans. Hein. Ouais, 2 ans. Parle-nous un peu de ce cheval. J'essaie toujours de rester dans les 12,5-25, parce que je pars toujours du principe, attention, que s'ils ne sont pas assez bons en plat, au moins on peut aller directement à l'obstacle. D'accord. Et comme ils sont assez doués à l'obstacle, toute la famille, donc... Sacré modèle. Et depuis la jument Terra, tu l'as toujours? Toujours, oui. Elle est pleine de Tunis cette année. D'accord. Ah, Tunis cette année. Tunis cette année. Voilà. Et elle a eu un foal? Elle a eu un foal. Non, elle était vide une année quand même. Elle était vide une année. Et tu as des filles en plus comme poulinière de Terra? Oui, j'ai deux filles, donc Fira, la championne, qui est pleine d'un 12,5 de Chamaco. J'ai Atlantide qui vient de Croucrac. De Crocrac pour faire un 25, et voilà, et Terracia, avec qui on ne fait que de la QPS. La mère et trois filles. Voilà, je suis associé avec Hector La Jeunesse, et on ne fait que de la QPS, pour changer un peu, pour varier les plaisirs. Une véritable dynastie d'anglo-arabe chez Mathieu Daguzan-Garros. Non, pas dynastie, non. Allez, rendez-vous le 7 septembre avec Chloé, j'espère que tu seras encore là, que tu ne seras pas parti loin de nos yeux, pas encore, et Mathieu Daguzan-Garros du Haras des Granges pour nous présenter ce Naxos au Grand Show Anglo le 7 septembre 2023 sur l'hippodrome de La Teste. Allez, c'est bon. Go.